Bienvenue à toi, future génération. Depuis 150 ans, je te parle de changer le monde. Promis, cette fois, je ne partirai pas dans une longue démonstration. On dit que j'ai la grosse tête ? Je préfère dire que j'ai des ambitions. Celle d'une école créée pour comprendre le monde, ses complexités, ses failles, ses enjeux, ses bizarreries, et l'aider à aller un peu mieux. Mes recherches parlent d'histoire, de sciences politiques et d'économie, d'environnement, de numérique, de droit, de sociologie, un regard international, l'amour de l'art, de la philosophie. Pour toi, j'ai réinventé mes enseignements. Car au-delà des théories et des principes un peu ronflants, je veux que tu comprennes. Que tu apprennes en pratiquant. J'ai aussi beaucoup appris de toi. De tes débats, de tes colères, de tes combats. J'ai voulu porter tes causes vers le futur, je t'ai suivi. Je n'ai pas vieilli, je me suis bonifié. Et c'est toujours toi qui m'aides à construire ce qui je suis. Je ne suis pas Sciences Po, je suis la liberté d'expression. Je suis l'égalité des genres. Je suis l'égalité des chances. Pour toi, j'ai voulu casser l'injustice de la naissance, l'élitisme, les faux discours. Et comme tu étais partout, je suis venue à ta rencontre. J'ai appris tes langues, intégré tes visions. Accueilli ceux qui t'ont inspiré. Un peu trop parisienne, un peu trop Saint-Germain-des-Prés. Aux quatre coins de la France, je me suis posée. De Nancy à Menton, de Dijon à Reims. Du Havre à Poitiers. Et comme on ne refait pas le monde qu'à coup d'idées, je me suis réinventée pour t'apprendre des métiers. Journaliste, acteur des villes. Chef d'entreprise, poète. Showrunner ou magistrate. Exploratrice, humoriste. Diplomate. Politique, humanitaire. Slameur ou avocate. Et toujours cette volonté de te faire changer le monde. Pour ceux d'après, ceux qui viendront dans ton sillon. Car tu seras un bon ancêtre. Pour tes futures générations.